Et bonsoir tout le monde, bonsoir Internet, bonjour Twitch, bonjour YouTube pour ceux qui découvriront cette vidéo en VOD. Et salut papa, salut Rafa, salut tout le monde. Alors, aujourd'hui il fait extrêmement beau en Belgique, ça il faut le savoir déjà, première chose. Et donc du coup ça donne des envies d'aller visiter des endroits encore plus ensoleillés et encore plus beaux. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus ce que j'allais dire. Du coup, monsieur Papa Noël, nous t'avons écouté, tu as été entendu, mon cher camarade. Nous partons pour démarrer cette pause déj. Nous partons joyeusement en Nouvelle-Zélande. Nous sommes donc au niveau du mont Cook et on va tranquillement l'avoir sur notre gauche. On va le survoler tranquillou, on va voir le mont Cook à gauche, et une fois qu'on aura passé un petit peu les crêtes, on pourra redescendre sur toute une grande partie vallée avec un lac au bout. Ça a l'air assez sympathique, on va se faire ça immédiatement, tout de suite. Et c'est parti, mon kiki. Alors on a changé d'avion pour ce vol, si je mets les gaz c'est mieux. On a changé d'avion sur ce vol, pourquoi? Parce que vous pouvez voir en bas à droite qu'on est sur une altitude de 7500 pieds, donc environ, on divise par, pour passer de pied à mètre, hein, on divise par 3, grosso merdo. Donc on est pas loin des 3 x 4, 12, 3 x 3, 9, on est un peu en dessous des 2500 mètres, quoi, un truc comme ça. Et du coup le petit avion qu'on avait jusque là, ding, on vient d'enlever le pilote automatique avec ce petit ding. Et du coup on va pouvoir aller joyeusement passer en fait c'est la, voilà, le cube qu'on avait aurait pas été forcément en capacité de monter jusque là. Et donc c'est pour ça qu'on a pris un avion un peu plus gros, un peu plus lourd et un peu plus capacitant, on va dire. Est-ce qu'on va descendre jusqu'à Queenstown? Non, j'ai regardé, on va... Les distances sont bien trop nombreuses. Bien trop importantes plutôt. Mon Cook versus Queenstown, on en aurait... on y passerait l'heure complète si on voulait aller jusqu'à Queenstown. Et c'est pas le but du jeu. Le but du jeu d'aller voir quelques destinations sympathiques. Donc voilà, le Mon Cook... Donc là on est en train d'arriver par la face nord du mont Cook, autant dire que c'est quand même pas dégueu. Hein. C'est pas dégueu, on va essayer de tirer le manche quand même, histoire de passer un peu, on a fait exprès d'arriver légèrement en survitesse pour pouvoir passer cette petite crête là, risquer le décrochage, un petit glissage sur l'aile et hop là, ça passe easy, salut le mont Cook et voilà. Tada! Vous voyez le petit lac au bout là, comment il a l'air magnifique. Bon, là, la manœuvre est pas fofolle parce que je suis en vue extérieure et je vois pas trop où je vais, mais ça passe. Voilà. Petit survol rapido. Et donc, voilà, ça sent le crash. Mais non, ça sent pas le crash. Regardez. Ah, ça sent le freeze, par contre. Et quand ça sent le freeze, ça sent potentiellement le crash. Mais non, c'est bon. On a récupéré. On a récupéré la main. Hop là, et vous allez voir. Là, ce qu'on va faire, on va tranquillement réduire les gaz dès maintenant. Hop là. On va laisser passer le mont sur la gauche. Coucou, mon copain. Vouh. On est passé tout proche. Putain, c'est beau, hein. Regardez-moi ce décor. Et maintenant, on va se laisser couler gentiment, tranquillement, pépèrement. On va couper les gaz. Hop là. Et on va se laisser couler dans cette vallée incroyable qui nous a ouvert les bras juste après le mont Cook. Beau glacier sur la droite. Ouais, non, clairement, là, on a un glacier qui est absolument magnifique. Et là, on va se laisser couler dans la vallée pour aller se laisser couler jusqu'au lac. Alors ce qu'on va faire, c'est que les gaz ont l'air d'avoir du mal à se couper un peu là, le machin il a l'air de vouloir voler malgré tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir les flaps un petit peu. Et ce qui va nous permettre d'augmenter un petit peu la traînée. Clac. Alors on va s'en servir un peu comme spoiler, hein, on va s'en sortir un peu comme des espèces d'aérofrein. Ce qui va nous permettre de nous mettre en descente assez rapidement sans forcément, prendre trop de vitesse. On va pousser encore un petit peu le manche et on va se laisser tranquillement couler là pour arriver jusqu'au lac. Oh la vache, qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Là, on n'est peut-être pas sur une photogrammétrie, mais là, on est vraiment sur de la reconnaissance vraiment, vraiment belle. Non, excusez-moi, du coup, comme je vois plus où je vais, je pousse pas le manche dans la même direction suffisamment. Voilà.
là quand même ça a de la gueule. Hein. Là on est sur quelque chose qui a vraiment une belle gueule. Je vais juste trimmer un tout petit peu vers l'avant, histoire que. Voilà, ils viennent pas me faire chier. Petit coucou rapide, je serai sûrement en l'heure qu'aujourd'hui. Bah écoute, salut mon petit Nico, avec grand plaisir, t'inquiète pas, installe-toi, tu restes le temps que tu veux. Et donc voilà, bienvenue en Nouvelle-Zélande, bienvenue donc derrière nous là-bas, on vient de passer le Mont Cook. On arrive ici sur le lac, j'ai oublié son petit nom, bougez pas, on va juste se mettre à droite vite fait. On va faire un petit halt tab, raté, c'est pas celui-là. On est sur le lac Pukaki. Voilà, on est en train. Ah, excusez-moi, je me gourre. Attaque. On survole le lac Pukaki actuellement. Enfin, on vient de le survoler là. Et on va arriver tranquillement, joyeusement vers. Alors, si ça c'est le lac Pukaki, ça c'est quoi? Waitaki. Non, le lac Benmore. Bonjour Benmore. Plus de Ben. Benmore, c'est un jeu de mots. Hein. Hooker, bah non, pas Hooker du coup, à moins que je me sois trompé en lisant la map, mais normalement non. Par contre, ils sont bizarres ces lacs, ils sont tout blancs. Et c'est quoi les machins qui dépassent là? C'est les arbres? On voit les petits points dépasser en plein milieu là. Neige fondue, bah ouais, tu m'étonnes, du coup c'est tout blanc. Ça te soye? Ah non, c'est juste des arbres. Oh, j'ai vraiment presque cru que c'était de la faune, dis donc. Je me suis dit, tiens, on va croiser quelques animaux. Mais en fait, pas du tout. On a juste croisé des arbres. Hashtag un petit peu la déception. Soyons francs. Bon, on va mettre un peu les gaz maintenant qu'on est arrivé en bas là. On va remonter la petite crête là. Hop. On va enlever les flaps histoire de. Hop, ça sent le crash. Ça sent le stall. Non, c'est bon. Ouh, c'était juste. On va y arriver. Il a du mal à reprendre de la vitesse le machin là, je sais pas s'il est lourd ou quoi au caisse là, mais dis donc, bon après je suis arrivé, c'est vrai que, on va être honnête, hein, j'ai l'habitude, du coup j'ai pris l'habitude de voler avec le Cub, qui est un avion qui vraiment s'amuse beaucoup sur les basses vitesses, faut savoir qu'un avion en règle générale, les basses vitesses, il aime pas trop ça. Donc là vous voyez en bas à gauche, on vient seulement de passer la vitesse on va dire... réglementaire pour enlever les flaps, sachant que toute la partie blanche c'est la partie où tu es clairement en sous vitesse et tu te dis il vaudrait pas trop rester dans ce domaine de vol, c'est pas le truc le plus foufou du monde. Donc voilà à peu près où on en est sur cette partie vol là, mais c'est bizarre qu'on prenne pas plus de vitesse que ça, parce que putain c'est, ou alors on est en montée encore. En tout cas l'endroit est encore magnifique, hein. C'est un truc Là, on est sur quelque chose encore qui est vraiment bien, bien, bien classe. On va aller faire un tour. On va aller refaire un petit tour là-bas. Bon, du coup, maintenant qu'on est venu du coup en Nouvelle-Zélande, dire coucou au Mont Cook. Coucou au Mont Cook, petit jeu de mots. Où est-ce que vous voulez aller, jeune camarade, jeune entrepreneur? Si toi aussi tu en as marre de rouler en Clio Twingo, n'hésite pas à nous indiquer ta destination favorite en chat. En Thaïlande, c'est vrai qu'on avait dit qu'on allait en Thaïlande. Wouh, petit survol, oh là là, on est en survitesse quand même là cette fois. Chiang Mai ou Erawan? Eh bien écoutez, on va aller voir ça, on va aller se checker ça sur. Regardez, là ça va être beau parce que regardez, et hop, le lac est juste là. Vouh, hop là, coucou. Ah c'est beau quand même. Hein. Ah on est sur des vues qui sont vraiment vraiment pas dégueulasses. Hein. Est-ce que ça mériterait pas un petit screenshot là, sachant qu'on a notre ombre en plus juste en dessous de nous? Là par exemple, ça pourrait être sympa. Ah on va peut-être se faire un petit screenshot comme ici. Tac. Tac, on va passer en mode. Caméra, on se passe vite fait en mode vitrine, on se rallume la manette histoire d'avoir une télécommande à disposition. Lieu de tournage du film. Et Kofifi, lieu de tournage du film La Plage. Ah bah ouais, tiens, on peut essayer d'aller faire ça, tiens. Ah, attendez, maintenant que j'attends juste que ma manette soit reconnue, voilà, tac. Ah, il se peut qu'on se crache avant la fin, parce que la pause active, voilà.
La pause active, c'est quand même vraiment bien de la merde dans ce jeu. Puisque la pause active, je ne sais pas pourquoi, alors qu'il devrait arrêter ton avion dans les conditions de vol dans lesquelles il est, il considère, au moment où tu fais ta pause, il considère que tu maintiens vitesse, accélération et enfin, assiette, etc. machin, exactement là où tu en étais. Donc comme on était légèrement en descente et que on a fait pause, lui il a considéré que vous, on continuait. Et donc au bout d'un moment, il est arrivé jusqu'au sol et il s'est crashé. Donc il est arrivé en survitesse et il s'est crashé. Donc c'est un détail extrêmement pénible de Flight Simulator, puisque c'est vraiment quelque chose qui nous empêche de prendre le temps de faire des screenshots en mode vitrine, alors que c'est con, le mode vitrine a été conçu pour ça, donc c'est vraiment débile, mais bon, on peut pas tout avoir, donc on va faire comme ça, et puis voilà, on essaiera de se démerder, être dans des conditions de vol plus appréciables quand on sera quand on voudra mettre le mode vitrine. Alors, on l'a dit, Kofifi, voyons voir. Kofifi, province de Krabi, en Thaïlande. Pardon, clac, paf. Oh ! Mais ça a l'air tout mignon là-dedans. Alors, où est-ce qu'on est exactement ? Donc, nous sommes en Asie du Sud-Est. Nous sommes effectivement au niveau de... Tu m'as indiqué les... Voilà, merci. Nous sommes au niveau de la... Donc, de la Malaisie ? Non, c'est pas la Malaisie, ça. Non, c'est Phuket, c'est la Thaïlande, ça. Pourquoi il m'indique pas qu'on est en Thaïlande ? C'est la Thaïlande normalement, ça, je dis pas de conneries. Ou je dis une connerie. Elle est où la Thaïlande là? Cambodge. Ah non, si, bah si, Thaïlande, voilà, elle est là. Donc effectivement, Thaïlande, ça fait partie de la Thaïlande, et là on a la Malaisie. Et donc on est en train de descendre et de se mettre sur le niveau de la province de Phuket. Et là, on va retrouver les îles Fifi, qui sont des îles vraiment toutes petites, du coup on va pouvoir reprendre notre cub et pouvoir aller se balader. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de Maya Bay, là, plus ou moins par là. Et comme Flight Sim nous balance toujours vers le nord, et ben on a juste à tranquillement remonter toutes les îles. Et ça va être super chouette. Alors c'est parti. Et salut OSM, comment tu vas aujourd'hui? Sud de la Thaïlande, ouais, la Thaïlande a une forme de tête d'éléphant, mais tout à fait. Tout à fait, tout à fait, c'est ce qu'on se disait. C'est parce que juste on voyait pas sur Google, on ne voyait pas la partie Thaïlande affichée. Définir comme point de départ, voilà. Mais donc j'espère qu'elles sont là les îles, parce que... Bah si. Et j'ai l'impression que il y a vraiment des fois, j'ai l'impression qu'il y a un décalage. J'ai l'impression qu'on va se retrouver, alors que j'ai mis un truc juste là, j'ai l'impression qu'on va se retrouver complètement à perpète de l'île. C'est bizarre comme truc. À chaque fois, j'ai l'impression qu'on a un léger décalage. Merde. Bah merde, il est con quoi lui. À chaque fois, j'ai l'impression qu'on a un léger décalage par rapport de là où on part. Je me demande s'il n'y a pas des... Ouais, je sais pas, je me demande s'il n'y a pas les décalages. Ah, j'ai oublié de reprendre le petit avion, zut. On sera sur le caravane, c'est pas grave. Un endroit parfait pour le tourisme de masse, c'est la destruction du biotope. Mais oui. On prononce pipi et pas fifi, le pH c'est juste peu. D'accord. Et bah du coup, on est parti sur l'île pipi. Ah, ça va jaser dans le chat encore. Hein. C'est pour ça que je n'y ai pas. Petite anecdote, effectivement, pour ceux qui ne savent pas. Donc on va arriver sur la zone de tournage, effectivement, du film La Plage. Et à partir du moment où ce film est sorti, en fait, cette île-là a complètement explosé d'un point de vue tourisme, et en 10 ans de temps, c'est pas compliqué, ça a été complètement ravagé. Alors que c'était un endroit qui était quasiment à l'état naturel, c'est devenu bardé d'hôtels à tourisme, et les endroits sont devenus pollués, comme c'est pas permis, à coup de bouteilles de plastique et tout le bordel. Donc effectivement, this is the bordel. J'y vais par procuration. Elle a été envahie. Très bon plan, mais ils ont fermé la plage. Ah, ils l'ont carrément fermé maintenant la plage. Ben voilà, donc comme ça. Merci le tourisme de masse. Et merci surtout les abrutis qui ne sont pas capables, même s'ils peuvent y aller. Hein, au moins laisser les trucs propres, quoi. Donc voilà, nos petites îles sont là. On va peut-être se mettre les flaps tout de suite parce qu'on va très vite arriver en sous-vitesse là. Et nous y voilà. Je pense pas qu'on ait pris l'avion le plus. Je pense qu'on va galérer un petit peu en fait, en vrai. Parce que ce sera pas. Les basses vitesses, c'est vraiment pas son domaine de vol normalement au caravane. Donc on va voir ce que ça va donner. Déjà, on vient de désactiver joyeusement le pilote automatique. On va reprendre un peu de vitesse histoire d'arriver rapidement sur cette zone-là.
pas été. Attends, quoi? Entre 2009 et 2015, j'ai pas reconnu la plage de Koh Samet. Ouais. Pas été là-bas, j'ai fait Koh Samui, Tao et Phang Nan. Désolé pour l'orthographe. Bah, du coup, désolé pour la prononciation que j'ai probablement dû merdouiller. Bah, du coup, c'est pas Phang, du coup, ça va être Pang, vu que ce qu'on vient d'apprendre. Bon, en tout cas, nous y voilà, on est pas mal là. Et du coup, ouais, si c'est effectivement la plage telle que vue aujourd'hui, j'ai bien l'impression qu'on va se retrouver quand même à un endroit entre guillemets paradisiaque, mais paradisiaque touristique. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de bâtiments là. J'essaie de me focaliser sur des pays, destinations moins touristiques. Ça a changé les îles du Frioul. Non, monsieur, on est en Thaïlande, monsieur Vakoun. On peut pas vous faire autrement si on veut voir le monde. Bah ouais, c'est clair. Voilà, tu vois, déjà du coup, c'est presque un peu décevant parce que la zone est complètement remplie du coup d'hôtels, de machins, de bidules. Là où ça devrait être une plage, où ça devrait être une très jolie plage. Donc effectivement là, c'est presque décevant. On a découvert la Slovénie. Ouais, c'est en essayant d'aller sur des endroits effectivement pas trop touristiques qu'on a découvert la Slovénie. Et qu'on a beaucoup kiffé. Un petit peu décevant. Ouais, je suis un peu déçu. Je pense qu'il va falloir encore se trouver. Même là, en vol flight sim, il va falloir se trouver des endroits encore plus perdus. Hein, parce que, vous voyez, même cette île-là, on est sur le. Pour ton information, Vakoun, vu que tu viens d'arriver, on est sur l'île qui a servi de tournage au film La Plage. Et qui était du coup un désert naturel absolument fantastique. Et depuis que ce film est sorti, et ben voilà, c'est devenu un truc hyper touristique, hyper pas possible. Et donc, bah, même sur Flight Sim, hein, ça se voit, puisque du coup, on se retrouve dans un état actuel où on a des tas de bâtiments partout. Ça a été défriché à certains endroits pour aller accueillir cette masse touristique qui nous accueille. Donc voilà, un petit peu déçu, même si voilà, l'endroit est absolument incroyable. Le fait d'y voir autant de bâtiments, bam, c'est un peu tristounet, quoi. Du coup, on va très vite se trouver une prochaine destination bien sympathique. Et salut Seb, comment tu vas? Tu peux essayer d'aller en Ardennes, c'est encore plus près. Bah ouais. On cherchait des endroits pas trop loin, effectivement, avec la Slovénie, mais c'était cool. En France, on a des endroits incroyables, un petit tour du côté de Sisteron, bah pourquoi pas, on va aller voir ça. Bon, en tout cas, ça c'était. Bon, ça restait cool quand même, faut pas déconner. Donc, Nouvelle-Zélande, Tchèque, l'île de. Donc, de Pipi, c'est fait. Donc, du coup, où est-ce qu'on va aller désormais? Alors, déjà, ce qu'on va faire, surtout, hein, ça va être de se reprendre notre petit Savage Cup, déjà, parce que. Ces avions-là, du coup, sont trop. Là, cet avion-là était beaucoup trop rapide et pas du tout à l'aise dans un domaine de vol en sous-vitesse. Donc plus chiant pour moi à piloter. Et puis, du coup, on passe un peu trop vite sur les choses. Donc, déjà, première des choses, paf, 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 bam, rends-moi mon Savage Cube. Oui, monsieur, tout à fait, farpètement. Alors, où est-ce qu'on va, du coup? On a dit l'archipel d'Hawaï. Normalement, on l'a déjà fait, l'archipel d'Hawaï. Sisteron, le village à flanc de falaise, tu peux kiffer. Alors, on va aller voir ça, Sisteron, on va aller voir où est-ce que c'est déjà, parce que je connais absolument pas. Alors, Sisteron, c'est point carré. Alors, Sisteron en France, t'y vas un 4 jours ou comment? Mais qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il veut pas me... Allez, Sisteron, monsieur... Mais il est con, quoi. Hey, Google! Il est où, lui? Eh ben voilà. Vas-y, morceau. Vas-y, Jean-Claude. Ben voilà. Citadelle de Sisteron, c'est ça? Alpes de Haute-Provence. Il est un peu con. Il est un peu con, Gogol, ce soir. Hein. Enfin, aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je dis ce soir. Je suis bloqué. Moi, j'ai envie d'être en week-end. Je suis bloqué à ce soir. C'est un truc de ouf. Hein. 1h30 au nord de Marseille. En plus, la cata. En tournant au Kéro, ça sentait le barbecue caravane. Ça sentait le barbecue. Le caravane. Alors, citadelle de Sisteron. Voilà, donc on y est. On va aller on va essayer de se trouver ce truc-là. On va regarder un peu la gueule des coordonnées. On va voir ce que nous donne Flight Sim.
Alors, Flighty nous emmène-nous. Déjà, on va les regarder, on va se mettre en temps réel. Ça, on s'en fiche, tac. Est-ce qu'il fait... On va mettre point de départ ici, déjà, tac. Normalement, on est en journée en France, hein. Il a l'air de faire relativement bon. Qu'est-ce qu'on a comme point de repère sur la carte VFR ? Eh ben voilà, on en a des beaux points de repère sur la carte VFR. Putain, il n'y a que dalle. On ne voit absolument rien. C'est magnifique. Ok, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, on va prendre des coordonnées légèrement au sud. Voilà, on est à quoi ? On est à une borne, on a trois bornes à tout péter. On va se prendre ces coordonnées-là. Tac, tac. Voilà, on va définir comme point de départ. Et on va laisser Flight Sim nous emmener vers le nord. Salut Freddy, salut Odou, comment ça va ? Tu peux faire le Dalak Marine National Park si tu as le temps. Me semble que les watermarks sont sublimes. Je connais pas du tout, c'est où ça, papa ? J'ai pas fait gaffe à l'heure, trop absorbé par le boulot. Mais tu sais qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'obligation à être présent sur le live. Hein. Ouh là là. En mer Rouge ? Ah, je connais pas du tout le Dalak Marine National Park. Oh, j'ai oublié de nous mettre de la musique, dis donc. Ouais. Oh là là. Attendez, on va essayer d'aller checker un petit peu. On va se mettre de la petite zik là, dis donc. On a oublié de mettre notre petite playlist jazz des familles. En espérant qu'elle soit pas trop forte. Beaucoup trop forte. Excusez-moi. Voilà, ça devrait être pas mal pour vous normalement, si tout va bien. On retourne. Moi j'en tourne sur mon gestionnaire de stream. Je sais, mais c'est un super moment d'évasion. Bah écoute, on a fait la Nouvelle-Zélande, on a fait la Thaïlande, et maintenant, on est retour en France. On est... oh, sympa! On est, j'ai oublié le nom, on est au niveau de la citadelle de Sisteron. Donc, on est censé se trouver... ah bah, ça a l'air d'être tout devant, là. Hey, ça a l'air joli comme tout, dis donc, ouais. Donc, si je me gourre pas et que je sais à peu près retrouver mes repères par rapport à ce qu'on a vu sur Google Maps... ça va être la citadelle qui est juste là. On a une citadelle ici un peu à flanc de montagne. Je pense que c'est cette chose là. Vakun, est-ce que tu me confirmes que c'est bien ça? Mais j'avoue, c'est incroyable. Putain, on est vraiment sur des endroits à chaque fois qui sont... Et oui, c'est ça, merci. Je sais repérer, je sais retrouver mes repères visuels. C'est incroyable. Cette zone là est juste sub... Bon, à part le petit échangeur d'autoroute. Mais sinon, c'est quand même vachement beau. Il y a un petit stade aussi qui se balade là, je vois bonne humeur. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller descendre un petit peu sur la partie rivière là. Voilà, on va se laisser couler gentiment. On va quand même essayer de garder une altitude qui va nous permettre de survoler la citadelle au niveau de la citadelle en fait, et non pas d'être trop bas. Ce sera quand même beaucoup plus sympa. C'est-à-dire que les maisons sont orientées sud-est et leur mur nord-ouest, c'est un mur naturel de la falaise. D'accord. Ah. Ah ouais, donc du coup, ça va être super sympa, ça. On va regarder un petit peu la gueule que ça... On va faire un premier passage. On va regarder un peu la gueule que ça a sur le premier passage. Et si on voit que d'un point de vue... photo, ça a quand même de la gueule, on refera un passage en mode vitrine pour essayer de se trouver un truc sympa. Ah, c'est un peu crado quand même d'un point de vue... c'est joli et ça doit être vachement impressionnant. Mais là, d'un point de vue Flight Sim, on est un peu dans le bof. Disons qu'il vaut mieux rester en alti, quoi. Pas de photogrammétrie. Non, clairement pas de photogrammétrie sur ce coup-là. Mais même au-delà de la photogrammétrie, c'était pas très très beau. Et moi ce que j'adore là, c'est cette route là. Cette route qui est collée à flanc de montagne, qui a été collée, qui a été plaquée sur le truc. C'est juste superbe. Et salut Mouchou, comment tu vas? Alors Freddy nous a mis des coordonnées en plein milieu du chat là. On va aller voir ça, on va aller voir ce que c'est. Alors par contre, on va quand même se faire on va voir quand même si on peut pas se faire une petite photo sympa, parce que l'endroit est quand même cool. Et ce qu'on va peut-être faire, ce que je vous propose, on va refaire un petit passage, on va aller se mettre au-dessus là, on va se mettre au niveau de la crête. Le soleil est où? Le soleil est très haut cette fois-ci. On va se mettre au-dessus de la crête et on va prendre une photo avec l'avion de face, la cité médiévale derrière nous. Et je pense qu'on aura un angle de vue qui devrait pas être complètement dégueu, sachant qu'on a encore des montagnes derrière nous, on a la rivière qui se balade. Ouais, je pense qu'on peut avoir un angle de vue pas trop dégueu. Sisteron, voilà, c'est ça. Nous sommes à Sisteron, je cherchais... ils n'ont pas rendu hommage, terrible modélisation, ouais, je suis désolé.
Oh les cons, ils ont construit les immeubles de quartier nord de Marseille alors que c'est des maisons individuelles d'époque. Donc, ah, on a freeze. Youpi. Joie, bonne humeur. Sans les mains. Est-ce que vous vous rendez compte que je me suis pas rendu compte que j'avais pas allumé ma cam depuis tout à l'heure? Et y'en a pas un qui me l'a dit en plus, hein. C'est un truc de fou. Bon, du coup, on a freeze, mais ça va reviendre, hein. Normalement, ça va reviendre. Inch'Allah, peut-être. Mais je me demande si c'est pas le fait de l'allumage et de la... Si, en fait, c'est l'allumage. C'est ça qui freeze. On a compris. C'est l'allumage et l'extinction de la manette qui fait que ça se... qui fait que ça se passe. Je viens de te le dire. Ah oui, c'est normal qu'on voit pas ta petite tête. Oui, bah oui, du coup, tu viens de le dire, mais c'était trop tard. Je me suis dit que tu devais avoir une sale tête aujourd'hui, il faut pas l'allumer. Mais non, en plus, je m'étais coiffé et tout, machin, là. Alors, attendez. Là, tac. Pause active. Ça y est, on est parti. On va se mettre en mode vitrine. Voilà, on va se prendre la manette. Voilà, je vous disais qu'on allait avoir un, on allait avoir un plan de vue plutôt sympa, là. On va réavancer, on va mettre l'avion quand même au premier plan. Ah, oh, va-t'en, toi, tu m'embêtes. Regardez, là. Quand on est suffisamment haut, franchement, ça passe. Franchement, ça passe. On va incliner un peu la cam, histoire d'avoir un truc un peu sympa, comme ça, là, un petit angle. On va le descendre, histoire d'avoir l'avion en l'air. On va se prendre un angle, histoire de voir... Oh, quoique. Histoire de voir un peu le pilote, ça peut être sympa. Voilà, regardez. Là, on a un angle qui est sympa. On a, le... on a les montagnes derrière. Eh, on n'a pas un super angle de vue, là, pour, une, pour un screenshot? Allez, bim, c'est parti. Hop là, ça, c'est fait. Allez, on revient en cam externe. On revient en cam externe. Merci, j'ai dit le monsieur. Alors, on enlève la pause. C'est parti. Où est-ce qu'on va, maintenant? C'est reparti pour la Ghost Scream. Ouais, du coup, c'est beaucoup moins flippant quand on n'est pas, quand on n'est pas en train de jouer à Alan Wake. Il faut le reconnaître. Ah, ça a de la gueule quand même. Hein. Ah oui, on avait dit Dalek, on avait dit Dalek Marine National Park. On va aller se faire ça. On va aller se faire ça. Donc direction la Mer Rouge cette fois-ci. J'ai pas osé pendant la Wake. Ah mais il faut, hein. Il faut oser pendant Alan Wake. Hein. C'est, il me semble d'ailleurs que quand t'es parti, certains ne se sont pas gênés. Suivez mon regard en direction de Papa Noël. Non, non, clairement, il y en a qui se sont pas du tout gênés. Ah oui, et après, du coup, on est... la mer noire. Non, la mer rouge, on a dit. Pas la mer noire. J'ai dit la mer noire. Non, c'est la mer rouge. Et du coup, après, on ira voir les coordonnées GPS de Freddy pour voir qu'est-ce que c'est que c'est, où c'est que c'est. Et donc, alors, Monsieur Papa Noël nous a suggéré Dalek Marine National Park. Allons voir ça. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, décidément, Monsieur Google, il veut vraiment pas bouger. Hein. Feignasse, va. Allez, on y va, décidément. Oh là, ah oui, d'accord. Quand on dit mer rouge, hein, c'est tout rouge. Alors, où est-ce qu'on est? Oh! Oh! Qu'est-ce que c'est que cette chose? Où est-ce qu'on est là exactement? D'accord, donc on est vraiment, vraiment donc, au sud de la mer Rouge. Là, on reconnaît les petites cornes là-haut. Et donc, ce parc national est visiblement une espèce d'île. C'est assez impressionnant comme truc. C'est très, très étonnant. À quoi ça ressemble en vrai? Voyons voir un peu la gueule du truc. Ah ouais! Ah ouais, ça a de la gueule quand même. Hein. IRL, ça a quand même une sacrée gueule. Eh bien écoutez, on va partir de là, c'est quoi l'échelle? 10 bornes. Ah, c'est pas petit quand même, hein. Donc on va partir de là, direction plein nord, et puis roule ma poule, on va voir ce que ça donne. Genaïque, comment ça, Genaïque? Il est là, Genaïque? La fameuse scène de question pour un champion, la mer noire. Mais oui, mais c'est la mer noire. Allons-y. C'est parti, mon kiki, pof, pof, pof. Ah bah si, c'est quand même un... Ah, on a quand même une chance d'avoir un truc intéressant, puisque c'est considéré comme un point particulier ici. Ah, on croisera peut-être des flamants roses, c'est pas dit. Mais en tout cas, l'endroit est reconnu, donc c'est déjà un bon début. L'Érythrée, si
tout va bien, tu verras presque la même chose sur le jeu, surtout au niveau des surfaces d'eau. Oui, Genaïque aussi avait lancé un goat pendant la Nouek. Ouais, non, mais il n'y a pas... Flamand. non, des flamands de type rose. Pas des flamands de type belge. Voilà, je sais pas si on a bien fait de se mettre en condition réelle. Oh non, il fait tout pas beau. Oh bah non. Oh bah non, les copains, il fait pas beau. Alors, hop, quelques nuages. Oh bah non, quelques nuages, ciel dégagé, voilà. Ciel dégagé, tac, on enlève la pause et roule ma poule. Alors, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? Ouh là là. C'est très désertique comme, comme endroit en tout cas. Ah, je pense que les couleurs sont... Ça rend pas hommage, je trouve, par rapport à ce qu'on a vu en termes de couleurs. On a vu beaucoup, de, beaucoup d'endroits verts, un peu émeraudes, etc. Je trouve que ça rend pas hommage de ouf. Il y a peut-être des Belges en vacances, sur la droite. Ouais, je pense qu'on va aller là-bas, là. On va aller voir cette zone-là, parce que je pense que c'est celle qui va être la plus intéressante. Nemesis, il y a moyen de te passer une photo qui résume un peu nos aventures à... Attends, il y a moyen de passer une photo qui résume un peu nos aventures aéro du côté de Lausanne. Oui, il doit y avoir moyen. Tu m'envoies un chuchotement. Genre Discord. Ou sinon, bah, au pire, il y a mon Discord. Mais sinon, tu m'envoies un chuchotement. Tu m'envoies un lien. Après, ça dépend si c'est un lien ou si c'est une photo directe. Si c'est une photo directe, normalement, il y a le lien de mon Discord. Ok, bah voilà, Mouchou est juste là. Tu peux aller poster ça. Il doit y avoir une section. Alors, mon Discord n'est pas encore... C'est un Discord un peu bordéleux pour l'instant. Je pense qu'on va commencer à réfléchir à le mettre un peu proprement en place. Donc tu peux aller balancer dans la section Flood. On ira voir ça juste après. Mais normalement, ça devrait le faire. Moi aussi, il m'en faut un. Hein. Mais ouais, mais je pense que on va regarder un petit peu toute cette histoire de Discord, comment on s'organise. C'est très désertique cet endroit, hein. Voilà les watermarks dont je parlais. D'accord, ok, donc ça, c'est ça. Bon, faut espérer que du coup, on ait un peu plus de rendu... qu'on ait un rendu un peu plus sympathique, là, au niveau des couleurs de l'eau. La différence de couleurs au niveau de l'eau. Ah ouais, non, mais là, on est d'accord. Là, je pense que ça commence à rendre un peu mieux, maintenant qu'on s'y rapproche. On a différents tons de bleu dans la flotte, là. C'est quand même un peu plus sympathique. Je vous cache pas que j'ai eu un peu peur... d'avoir encore un fail, parce qu'on est quand même un petit peu en train d'enchaîner les fails là sur ce vol d'aujourd'hui. J'ai eu un petit peu peur. Eh, ça a de la gueule, hein. Ah ok, ça va, ça commence à avoir de la gueule. Ah ouais. On va essayer de prendre un peu d'altitude plutôt que de l'eau. Au contraire, plutôt que d'aller trop bas, on va reprendre de l'altitude. Je pense qu'on y verra beaucoup plus la différence des les différences de... Regardez-moi ça. Là, ça devient beau, là. Là, ça devient beau. Là, on est sur de la belle beauté, là. Voilà. Je sais, je pilote mieux que j'utilise mon smartphone. Attends, on ira voir... dès qu'on aura fini ce vol-là, on ira voir... Ah, là. Là, c'est beau, là. Là, on est d'accord. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus sympatoche, là. Ah, putain, ça, c'est beau, ça. Là, on est sur de la belle beauté, les copains, là. Ah, la vache. Ah, ouais, là, on est bien, là. Les récifs coralliens ne sont pas toujours affichés comme ils devraient. Ah ben ça, hein. Ah, on peut pas, il peut pas être tout parfait partout, hein. Mais rien que ça, déjà, ça a de la gueule. Regardez-moi ça. Putain, la vache, c'est beau. Ici, c'est le cas. Ah, ça a de la gueule, hein. Là, on a quelque chose quand même qui a... Il y a quand même une sacrée gueule, comme on dit. On va se faire un petit kiff, regardez. On va essayer de regarder ça de l'intérieur. Voilà comment on devrait le voir en vrai, si on était dans le coin. C'est quand même sympa aussi, en vrai. D'un point de vue immersion, je me dis qu'il y a des fois, on devrait quand même repasser en vue interne. Ça a quand même de la gueule, quoi. Open window. Tahiti ne les a pas encore. Ah, c'est dommage. Ah, c'est con. Faudrait que Tahiti, faudrait qu'il nous mette une mise à jour là. Mettez-nous une mise à jour Tahiti. Bon allez, on va aller voir. On va aller voir vite fait
les coordonnées GPS données par Mr. Freddy. On voit pas le flamand belge ni le flamand rose. Non, ça d'ailleurs, il faudra que... Ça, je regarderai tranquillement ce week-end, hors live. J'essaierai d'aller voir un petit peu, justement, tout ce qui est faune. Pourquoi on a galéré à trouver... On a trouvé assez facilement, en fait, toute la faune animalière mammifère. Tout ce qui est oiseau, on a quand même pas mal galéré. Donc j'essaierai de faire quelques recherches ce week-end là-dessus, pour qu'on puisse faire ça dès la semaine prochaine. Des endroits un peu sympas. Décevant. Alors, allons-y. Où est-ce que Freddy nous emmène? Oh! Freddy nous emmène complètement... Alors, j'ai pas eu le temps de voir où est-ce qu'on était exactement. Nous emmène complètement à l'est de Madagascar. Où est-ce qu'on est ici? Eh bien, on est à l'île Maurice, bien sûr. Mais bon sens, c'est bien sûr... Nous voilà à l'île Maurice. Putain, ça va être génial, ça. Ouh, ça, j'ai hâte. Ça, j'ai hâte de y aller, là. Je sais pas quelles sont... On va regarder vite fait quelles sont les conditions de vol temps réel. Ça a l'air pas dégueu. On va y aller comme ça, hein. On va y aller comme ça. Ouh, l'île Maurice. Ouh, l'île Maurice, ça va être top, ça. Non, c'est à côté. D'accord, donc c'est comme... Si c'est pas le... Attends, du coup, viens. C'est pas la même taille en même temps. Mayotte. Carrément, du coup, je me casse. C'est décevant. Ah là, je me casse. Il y a pas de flamant rose, je me tire moi. La Réunion et l'île Maurice, c'est juste à côté comme ça. Mais oui, je suis con. Pardon, c'est moi. Voilà, c'est moi. Oulala, je suis voilà, je suis pas réveillé ce matin. Mais oui, bien sûr, effectivement, l'île Maurice et la Réunion sont juste à côté. À des moments comme ça, on a tendance à oublier des trucs à la con aussi simples que ça. Veuillez excuse my language et puis il y a excuse my géographie. Sorry. Je sais pas si la photo est arrivée. Alors attends, je vais aller regarder ça vite fait sur le téléphone parce que j'ai pas allumé encore. J'ai pas encore mis Discord là sur. Enfin, je l'ai mis. Là, je l'ai éteint parce que généralement, comme je fais partie de beaucoup de groupes Discord, dès que je suis sur Discord allumé en live, ça pète de partout. Donc c'est un peu relou. Alors où est-ce que tu m'as envoyé ça? Où est-ce que tu m'as envoyé ça? Voyons voir. Tu l'as pas posté du coup la photo? Essaye de la poster dans Flood, je crois que tu l'as pas posté. Ou alors tu me l'as envoyé par message privé, que je n'ai pas reçu. Non, je n'ai pas reçu. Du coup, ouais, essaye de la poster dans Flood, on ira la checker juste après. En attendant, nous on est parti. Direction la Réunion. Wow. Attendez, juste là, j'espère que les volcans sont jolis. C'est pas top dans le jeu. Ah bon, tu trouves que c'est pas top? Attends, on va regarder un peu la gueule du truc là. Oh, ça va, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça pas... regardez, là, on vient de passer le volcan là. Je trouve ça pas si dégueulasse que ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous trouvez ça moche? Voilà, t'es juste au piton de la fournaise. Si, si, voilà, bah voilà, on y est. MEE6, c'est le bot OSM. Ah voilà, regardez, on est au niveau du cratère du piton de la fournaise. Bah voilà, c'est quand même un peu plus sympa. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit... Alors, vous voyez un truc qui est dommage. Vous voyez, c'est ça là. Cette limite là, on voit qu'il y a une limite en fait qui est basée sur la VUSAT. Hein, qui est une limite qui n'existe évidemment pas du tout. C'est une limite basée sur la vue satellitaire qui a été plaquée derrière sur le truc. Et c'est un peu dommage. Mais bon, bah, that's life, hein, on fera avec. Du coup, on va laisser cette limite de côté et on va aller survoler un peu là le cratère. Bonjour le cratère, comment ça va-t-il donc? Par contre, c'est bizarre, c'est vraiment noir comme ça ou il y a un manque de texture ou qu'est-ce qui se passe là? Là, c'est un peu chelou. Là, j'avoue que c'est très très bizarre. Moi, j'y suis jamais allé, donc je sais pas s'il y a de la roche volcanique toute noire ou des choses comme ça. La lave, ouais, non, mais je me doute bien que c'est la lave, mais là, en vrai, je me doute bien que c'est la lave, mais là, c'est juste dégueu, on dirait une absence de couleur, en fait. C'est un peu bizarre comme truc. Et si on continue par là-bas, qu'est-ce qu'on a? Bah, c'est vrai que du coup, là, au ras de cacahuète, hein, c'est un peu pauvre. Trace de coulée, ouais, bah je me doutais bien que ce serait de la trace de coulée, que IRL, ce serait de la trace de coulée, mais c'est vrai que là, du coup, on voit bien hein, que c'est... La couleur, lui, pareil, lui rend pas hommage, quoi. En fait, ça manque de texture. C'est le problème, c'est que du coup, on est vraiment trop bas.
par rapport à ce qu'on pourrait avoir envie de voir. On est vraiment trop bas. Et donc, en fait, on est trop près. C'est comme si on regardait une photo, c'est comme si on regardait une photo basse définition, trop près, en fait. Il faudrait reculer pour pouvoir avoir quelque chose de plus joli. Du coup, ce n'est pas métis si c'est une absence de couleur. C'est comme ça, en vrai, cette longue falaise. J'en ai aucune idée. Si des Réunionnais ou des personnes qui sont déjà passées sur l'île de la Réunion peuvent nous dire si effectivement cette zone en mode... En fait, ça ressemble à une espèce de cratère autour du cratère. C'est assez étonnant, je dois bien le reconnaître. Après, ça reste vraiment pas dégueu. Hein. L'endroit... Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, on a vraiment l'impression, avec les... Là, il faut voir qu'on est en, comment ça s'appelle, en conditions météorologiques réelles. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, toute la Réunion, visiblement, est dans les nuages, sauf le piton de la Fournaise. Donc, ça veut dire que là, on est clairement juste au-dessus des nuages. Et regardez, hop, les nuages disparaissent, là. Hop, ils viennent de se... Ils se sont complètement... hop, là. Ils ont disparu. Je trouve ça génial. C'est assez cool de voir ce genre de choses, sur un simulateur. Voilà, là, à cette altitude, c'est quand même déjà... Je trouve que c'est quand même beaucoup plus... À cette altitude, ça rend plus hommage, en fait. Parce qu'on n'est pas en train d'aller chercher du détail. On voit un petit peu, justement... On a l'impression de voir un peu les grains. Là, on est sur quelque chose qui est finalement beaucoup plus joli. La photo de Tasha Targus sur Discord. D'accord, attendez, regardez. Ah bah ouais, non, ça a planté. Et voilà, là, c'est la manette qui s'éteint. Il faut que je mette un time-out beaucoup plus lent. Ah ouais, belle photo. Ah, on va essayer de lui rendre hommage. On va voir si on peut te rendre hommage à ta photo. Déjà, je la montrerai à l'écran tout à l'heure. Et on essaiera de se faire une photo qui y ressemble. Vous étiez où quand vous avez pris cette photo? Je regarde la gueule hein, sur Discord. Un petit coucher de soleil. Non, vraiment très 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 beau cette petite photo OSM. Merci beaucoup pour ce partage. On la mettra sur le live juste après, 12h45. Et on essaiera de lui rendre hommage en faisant une petite photo, un petit screenshot Flight Sim qu'on essaiera de poster aussi. Vertical, Lonce, le Saulnier. Eh bien écoutez, vous savez quoi? Il nous reste un quart d'heure, on va faire ça tout de suite. On va aller à Lonce, le Saulnier, LFGL. On va se faire un vertical piste. Et on va aller se trouver des conditions météorologiques qui y ressemblent beaucoup. Dès qu'on aura vu cette espèce de creux, là, ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de... C'est incroyable, ici. On dirait presque un fjord. On a l'impression presque d'être en Norvège, quoi. Oh là, c'est dégueulasse, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, oh, c'est pas beau, par contre. Ah, il y a des trucs qui sont trop dans l'ombre par rapport à ce que la VueSat sait faire. Et là, il sait pas gérer, quoi. Là, clairement, on a des ombres qui sont très, très bizarres. Mais ça, c'est incroyable, par contre. Ça, c'est incroyable. Magique. C'est un cirque. Le paysage est pas ouf, Alonso. Bah, c'est quoi, dans ces cas-là, on essaiera de se trouver une autre destination, juste... De toute façon, après, on voit pas exactement où vous êtes. On va se trouver un terrain qui y ressemble, on va se trouver quelque chose qui y ressemble un petit peu, et on fera... On fera une photo qui s'y rapproche, même si on n'a qu'un seul avion à dispo. Ça, c'est quand même plus sympa. Hein. On voyait derrière là, la partie un peu ratée, on va dire. Mais là, cette partie-là, avec l'océan derrière qui se dégage, là, par contre, on a quelque chose de très, très, très joli. Là, il n'y a pas photo. Ouais, non, là, c'est... Oh, putain, non, sur vitesse, excusez-moi. Est-ce qu'il va... Non, ouf, putain. À force de regarder, là, on est tranquillement en descente et j'ai oublié de regarder ma vitesse. Et effectivement... On allait bientôt se retrouver avec des contraintes aérodynamiques un petit peu trop élevées. Voilà, ça a de la gueule quand même. Et ce qui est rigolo, c'est que là, vous voyez, déjà là, on est légèrement trop bas par rapport à tout à l'heure. On commence à voir les limites, finalement, de la... Comment ça s'appelle? De la texture. Les textures sont moyennes, mais niveau topo, c'est juste ouf. Ouais, tu vois. Et en fait, c'est vraiment une question d'altitude, hein. On vient de perdre de quoi là? On a perdu peut-être 1000 pieds depuis tout à l'heure. On était un petit peu plus haut. Et tu vois, en 1000 pieds,
En 300 mètres de descente, on a perdu un peu cette qualité de grain qui faisait qu'on avait vraiment l'impression d'être au-dessus de la bonne texture. Et c'est bien dommage, parce qu'on était vraiment sur un endroit qui était magnifique. Et il va falloir qu'on apprenne, il va falloir qu'on apprenne un petit peu de nos erreurs, d'ailleurs, sur Flight Sim, comme ça. Et de se dire, bah voilà, il y a des endroits où quand la reconnaissance, satellitaire, est pas ouf, il va falloir qu'on garde une certaine hauteur pour pouvoir vraiment profiter de l'endroit le plus possible. Allez, prochaine destination, du coup. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, je suis dans les options. Quelle heure il est ? Il est 49. On va peut-être se faire une dernière destination, si on s'y prend bien. On va se trouver un endroit un peu sympa. Au bord de la mer. Un endroit au bord de la mer sur lequel on pourrait faire une photo un peu comme ça. Il faudrait que la mer soit côté est ou ouest pour avoir un truc du genre. Une ville pour changer. Ah ouais, pourquoi pas. Un écran noir en survitesse, ça marche pas en vrai. Tu perds juste quelques vis, capots ou morceaux. Non mais ça, c'est clair. C'est clair que quand tu es en survitesse, tu perds quelques bouts, mais bon. L'Etna, pourquoi pas, en fait. On pourrait aller se faire un petit tour autour de l'Etna, parce qu'on aura de la ville aux alentours. Ça pourrait être sympa. On va aller regarder là-dessus. 1, 2, 3. Etna. Tac. Le voilà, l'Etna. Et si... Tac. On va être abonné au volcan, hein, sur cette chaîne, je sens. Hein. Alors, l'Etna, donc nous, on est au niveau de la Sicile, les loulous, hein, voilà, petite reconnaissance géographique. On est quoi ? On est... Putain, il fait quand même, si on regarde l'échelle de 10 km en bas, là, on est quand même sur un truc qui fait bien ses 20 bornes de... qui fait quand même bien ses 20 bornes de diamètre, hein, le machin, là. Donc on va peut-être partir de là. Ouais, on va peut-être faire ça. On va faire ça, ce que je vous propose. On va descendre de là, on va partir plein nord, on va survoler un peu l'Etna, puis on va repartir sur la côte. Et quand on partira sur la côte, on changera l'heure du jour pour avoir un lever de soleil, pour avoir le soleil à l'ouest. Et on se prendra une petite photo sympathique. Tac, coordonnées copiées. Tac, tac, coordonnées collées. Paf, paf. J'ai aucune idée de s'il fait beau actuellement, donc on va se prendre un truc pré-réglé avec ciel dégagé. Hop. Définir comme point de départ. C'était quoi ça ? Catane. D'accord. On est parti. Mais c'est tellement beau les volcans. Ah non, mais je dis pas, hein, il a pas été en activité il y a plein de temps. Ah si, il est d'ailleurs actuellement en activité là. Il est en train de péter. Pour info, Naples est en photogrammétrie. Ah, avec le visible, d'ailleurs, ça l'envoie. Ah, il faudra peut-être checker ça, d'ailleurs, effectivement. Catane avec son aéroport. Alors du coup, j'en profite vite fait. Je vais allumer Discord. Vite fait, je vais vous montrer la photo que vient de nous envoyer... ouais, oui, checking for update, merci. Merci, copain. Je vais vous montrer vite fait ce que OSM vient de nous envoyer. Et comme ça, vous aurez le modèle sous les yeux pour voir. Ça a l'air vachement beau. Ça a l'air vachement beau. Vous aurez le modèle, du coup, pour savoir... où est-ce qu'il est, mon Discord ? Il est là. Hop. Flood. Tac. Ça pourrait être utile pour tes vols. Ah oui, je vois cette map, papa. Je vois ce que tu m'as posté. Effectivement, c'est une map interactive des trucs qui sont dispo. On va faire ouvrir l'original. Tac. Et voilà. Je vous affiche actuellement, du coup, la photo que vient de nous envoyer, OSM. Donc, coucou à toi. Petite vue sympathique. On va essayer de reproduire à peu près la même. Je vous dis pas qu'on va y arriver, mais on va essayer. Clairement, on va essayer. Hop. Est-ce que le volcan est aussi en condition réelle ? Bonne question. Très bonne question. On n'est pas tout à fait sûr. Ah la vache, ça c'est beau. Ah là, on est sur du beau, là. Ah, là, on va passer un bon moment, là, les copains. Ouh, bonjour, la Sicile. Waouh. Ah, ça a de la gueule, là. Hein. Là, on est sur quelque chose qui vaut son petit pesant de cacahuètes. Je sais pas encore si je vais avoir l'avion nécessaire pour pouvoir grimper au sommet, encore, là. Il va m'abandonner avant, cet studio, lui. Il sera pas en capacité de monter jusque-là, lui, je le sens. Oh, un petit freeze. Bah, pourtant, sa manette, elle est pas... Voilà.
Je viens de voir sur Euronews les vidéos de mercredi, il a bien crashé. Ouais, non, mais clairement, hein. Là, il est clairement en activité aujourd'hui, là, en ce moment, l'Etna. Et il envoie du pâté. Voilà, je pense qu'on va arriver beaucoup trop près, ça va pas être beau. Et puis surtout, voilà, je pense qu'on n'a pas du tout le bon avion là pour aller grimper au sommet d'un volcan. C'est un peu compliqué. On va faire comme hier, hein, là, on va faire une espèce de touch and go sur les. Oh la vache, regardez! Toute la partie un peu plus sombre là. Ouh! Impressionnant! Et salut Wazen, comment tu vas? Bienvenue sur la chaîne! Ah, ça a de la gueule aussi ça! Ouh, pop. Alors la partie gauche là est un petit peu moche parce qu'on est trop près, donc du coup on voit que les ombres sont un peu fake. Mais celle-là là, ça a de la gueule. Hein. Oh, vain Dieu! Là on est sur quelque chose. Pour info, un cum, ça grimpe bien. Bah, ça grimpe bien. Je suis plein gaz. Il a l'air de galérer un petit peu, le bestiau, quand même. Hein. On va vite se retrouver en sous-vitesse, là. Hein. Bon, je veux bien hein, le pousser un petit peu, le bestiau. Mais regarde, là, paf, on vient descendre en dessous des 60 nœuds, là. Je pense que je le pousse un peu trop, en fait. Ça monte trop raide par rapport à ce que je fais. Il faudrait que je sois un peu plus réaliste et que je monte en cercle joyeusement aux alentours. Le plafond du veau n'est pas important. Et la mixture. Mais ouais, la mixture. Je me fais engueuler. Est-ce que je pourrais rester débat? J'en sais rien. Pose donc ta question. Je ne sais pas du tout si je serai en capacité de t'aider, Wazen. C'est pas un bon élève. Non, j'avoue, je suis un très mauvais élève. J'oublie ce qui a été dit la veille, moi. Quelle heure il est? 55. Est-ce qu'on descendrait pas tranquillement le long de la côte sicilienne là-bas? Vous savez quoi? On va même se faire. Tu sais quoi? Je suis tellement un mauvais élève qu'on va peut-être se faire un toucher. Voilà. Non mais. Non, le sol se dérobe trop vite. On va se retrouver en survitesse, ça va être la galère. Non mais, dis donc. Alors là, je pense, voyez-vous, je pense que si je ne dis pas de bêtises, si on s'arrête sur une pause active, on va rallumer la manette pour avoir accès à la commande. Là, il devrait friser parce qu'il est en train de dire « Oh là là, j'ai une manette qui s'allume! Oh là là, mon Dieu, on va jamais y arriver !» C'est le fun, c'est fait pour ça. Non mais complètement, hein. Ça y est, il se rebelle. Voilà, tac, on va se mettre en mode caméra vitrine. On va enlever la vitrine. Hop, on va se reprendre la manette. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, il y a peut-être un truc qui m'embête un tout petit peu. C'est que par rapport à la vue de tout à l'heure, on n'a pas exactement le bon angle. Attendez, hop, on va faire ça comme ça. On va enlever la pose active. On va se mettre un peu comme ça. On va remettre du gaz. Tac. Elle est bizarre cette caméra, on est d'accord, mais moi elle me fait rire. Hop, voilà, t'étais... attendez, juste par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, je regarde juste la photo qui a été postée. Donc vous étiez légèrement en virage sur la gauche. Je pense qu'on va pas être loin là. On va juste se mettre légèrement en virage sur la gauche, comme ceci. Hop, on réactive la pose active, on change la cam, voilà. Excusez-moi, du coup j'ai perdu le chat avec mes bêtises. Tac. Tu pourrais me dire, quand on achète Microsoft Flight Simulator avec un code, comment on met le code pour le télécharger? Si tu es sur PC, effectivement, il y a de grandes chances qu'il faut que tu passes par le store. Tu passes par le Microsoft Store sur ton PC. Et normalement, tu devrais pouvoir effectivement. Il va y avoir un endroit un peu comme sur Steam. D'ailleurs, ça dépend. Est-ce que tu l'as acheté par code? Est-ce que tu l'as acheté? Le code est valable sur Steam ou sur Store? Mais ça devrait fonctionner de la même manière. Tu vas chercher ton code et tu viens le mettre dans. Le store te le demande, que ce soit Steam ou Microsoft Store. Et normalement, tu devrais avoir accès à ton jeu à partir de là. Alors, donc. On va se mettre... Stéphane, le soleil se lève de ce côté-là. Ah, ouais, on s'approche. On s'approche, hein. On n'est pas loin du tout de la photo. Il nous faudrait peut-être nous caler un peu par là.
Ah, c'est dommage, il faudrait qu'on se laisse peut-être un petit... Il faudrait qu'on se laisse juste un tout petit peu de virage pour se caler comme ça. Tac, on se remet la pause. Tac. Regardez. Là, on va être très très proche de ce qui s'est passé. Hein. On va être très 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 proche. Je vous remets la photo. Je vous remets la photo. Vous allez voir. On est vraiment pas loin. Hein. On est vraiment vraiment pas loin. C'est mieux sur Steam ou Microsoft Store. Steam, vraiment Steam. Il y a eu énormément de problèmes avec ce jeu sur la partie store. Même moi je l'ai récupéré sur le Xbox Live. Xbox Live qui est Microsoft, le Microsoft Store qui est Microsoft, Microsoft Flight Simulator qui est Microsoft, j'ai mis 20 plombes à le faire démarrer. Ça a été assez insupportable. Bah écoutez, regardez là, je pense qu'on est vraiment vraiment pas loin de rendre honneur à OSM là. Hop, voilà, je pense qu'on peut la prendre là, la photo. Hop, imprime écran, je vous remets l'original. Voilà, à la limite, ce qu'on peut peut-être faire, c'est se mettre quelques petits nuages. Tac, on va se mettre une... Elle est où la couche nuageuse? Elle va être là. Comment ça marche? Je suis pas sûr de bien comprendre comment marche la partie couche nuageuse, hein, je vous cache pas. Faudrait qu'elle soit plus basse, la couche nuageuse, là. Je comprends pas bien comment ça marche, j'avoue. Attendez, tac. Oh là là, ça c'est quoi? Ça, on s'en fout. Ajouter une couche. Supprimer la couche. Non, c'est pas ça l'idée. Ah bah voilà. Attendez. Tac. Tac. Voilà, ça y est, regardez. On va pouvoir avoir quelques nuages là. Oh putain, si on n'est pas sur quelque chose là qui est pas très 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 ressemblant. Excusez-moi, hein, mais là je pense qu'on est quelque chose d'assez réaliste pour le coup. Prochaine fois on fait multi, mais ouais, avec plaisir Loulou. On va se refaire la photo dès que la souris aura disparu là. Tac, on enlève ça, on enlève le machin, la souris a disparu, hop, imprime écran, et voilà. Là, pour le coup, franchement, les gars, je pense qu'on est vraiment, vraiment pas loin. On a fait du mieux qu'on pouvait pour reproduire la photo. Je la posterai sur Twitter tout à l'heure. Est-ce que du coup... Attends, on va quand même reprendre le vol. Non, je fais une connerie là. Tac. Caméra, cockpit. Hop. On reprend la pause. Tac. Et on va faire comme d'hab, on va se laisser la fin, il est 13h01, on va se laisser tranquillement la fin du live couler sur la fin de la Sicile. Ça mérite un beau dessin de Raphaël Avani. Hey, pourquoi pas, hein. Les collisions ne sont pas gérées, donc pas de problème de crash. Oui, tu m'avais déjà dit ça, il n'y a pas de souci. Je vous expliquerai les tuyaux du vol en patrouille. Merci pour l'hommage. D'ailleurs, OSM, du coup, est-ce que tu m'autorises à poster ta photo sur mon Twitter? Comme ça, on postera les deux photos côte à côte. On postera ta photo sur Twitter et à côté la mienne pour qu'on puisse avoir un petit comparatif. Je préfère te demander avant, c'est quand même plus sympa. Hop. Ah, ça a de la gueule, là. J'adore finir sur ce genre de vue. Je trouve ça juste magnifique. C'est... pouf. C'est beau, quoi. C'est juste beau. Alors, mon mignon, t'as vu de la lumière? Wazen qui vient de lâcher son plus beau follow. Merci à toi, Wazen, ça fait plaisir. Juste masquer le nom du photographe en bas à gauche. Il n'y a pas de souci. On se fera... Je mettrai un petit watermark ou quelque chose comme ça. Mais du coup, j'enlèverai la photo du photographe. À moins que tu... À la limite, on peut même carrément aller plus loin. On peut le taguer, si tu veux, pour lui mettre carrément... Moi, je préfère autant, si c'est possible, je préfère autant citer le photographe et lui rendre hommage aussi sur la photo. S'il a pris la photo, autant le citer. Moi, je suis pas contre. Enfin, je suis pas contre, je suis même carrément pour. Hein. On est très à cheval sur le droit d'auteur ici.
Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau, putain. Bon, du coup, moi, comme d'hab, je vais couper ma cam. Je vais vous laisser avec ce petit vol de fin de journée. On va laisser tranquillement secouer ça jusqu'à la fin du live. Du coup, SM, on en discute si tu veux. On en discute si tu veux gentiment sur Discord. J'ai pas ses coordonnées. Bon, c'est pas grave. On fera 100. Si jamais il reconnaît la photo et qu'il vient nous dire ça, on lui dira avec grand plaisir qu'on le citera. Et voilà, on postera les deux photos côte à côte. Ce sera toujours, je trouve que ce sera quand même un truc bien, bien sympathique. Sur ces bonnes paroles, on est vendredi, donc du coup demain il n'y aura pas de pause déj. Le week-end sera un petit peu tranquille. Il y aura peut-être du Apex samedi après-midi. Il devrait y avoir du Hades dimanche matin sur Opus TV. Donc je ne sais plus si c'est à 10h ou à midi. Faudra que je revérifie ça. Et donc pour tout ce qui est le Flight Sim. On se retrouve du coup lundi midi. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Je vous dis à très très vite. Et puis gros bisous. Ciao ciao.